pour qu'elle réponde directement à la question auditeur. Sans problème. Nous n'avons rien à cacher à l'EDH. Ou est-ce que des papiers imprimés qui viennent avec là? C'est imprimé, imprimé papier. Oui. Okay. Ça veut dire que nous n'avons pas gagné. Comment répondre-moi? Répondre-moi. Répondre-nous. Donc, à l'avenir, si moi l'homme du groupe là pour répondre à la question, Mounio, sans problème. Je suis sûr que je venir avec peut-être un technicien dans le domaine pour répondre à certaines questions hautement techniques. Est-ce que l'a venu? L'a venu avec plaisir. Nous n'avons pas gagné pour nous cacher. Au contraire, je dis à la nous mettre tête dehors pour nous dire comme ça que c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Bon chiffre là. Okay. Les chiffres parlent de même. Bon, partage avec vous rapidement et remarque quelques auditeurs. Et Guillaume qui dit. Alors, en passant, un auditeur qui dit pour quitter le document, ça, parle avec elle, quitter là. Avec plaisir, on m'a pris ton lot. Ou imprimer l'autre. Donc, on quitter ça pour moi, pour me capable remettre les lits. Sans problème. Ok, un auditeur qui dit que c'est très instructif cette percée négative de la politique. Alors que j'attribuais les pertes de l'EDH à la seule bidonvillisation, ça me dit de tout à l'heure. Et question, quel est l'impact de l'asphaltage des routes dans une commune comme Delma au tableau des recettes de l'EDH dans cette zone? Vous pouvez répondre? Et non, pas gagner. Donner pour lui. Donner pour lui, vraiment. Okay. Mais ça me dit dit auditeur. Dès pour une urbanisation, c'est sûr que la voie facilite tout le monde. La voie permet que l'EDH ait plus accès. À audio pour mettre que le fait travailler. Ok. Mais si la dette de l'État est aussi élevée, alors que jusqu'ici nous avons parlé de maintien de survie de l'EDH par des subventions, alors pourquoi ne pas convertir ces subventions en paiement, tandis que l'État central et local chercherait à utiliser les moyens de coercition pour contraindre ces institutions à payer leurs dûs? Oui, c'est pour me dire, auditeur, que dans l'historique, comme je ne par rapport à la dette de l'État envers le DH, tu as gagné la ministre de l'économie et des finances récemment, c'est Mme Mike Kamel, qui était toujours en tente avec ces différentes institutions pour non seulement y avoir fait des paiements pendant qu'il a payé la facture courante. Bon, bah, il n'a pas trouvé mise en œuvre, cette entente, il n'a pas trouvé mise en œuvre, mais actuellement là, la direction générale de l'EDH a travaillé avec certaines institutions pour voir comment il y a épongé ces dettes pour permettre qu'effectivement l'EDH fait ça pour le faire. Parce que le seul problème, c'est que le cycle n'est pas respecté. Nous produisons du courant, nous transportons, nous distribuons, il n'y a pas payé. Donc, si on paye moins, il m'a bon plus. Tu as dit que l'EDH qui t'a dit. Même si tu as fait le cadeau EDH, il n'y a pas besoin. Il y a tellement de problèmes. Yeah. Et mais nous-mêmes, staff qui l'a ajouté là, nous pas chercher la facilité. C'est ça que nous prenons responsabilité. Nous croyons que nous avons pour qu'il fait, mais ce n'est pas dans la facilité. Nous choisissons la voie de travail. Et nous ne croyons pas que c'est une facilité, nous avons un résultat. C'est notre responsabilité. Par exemple, moi-même, je suis là en tant que responsable de communication, je prends responsabilité. Au début de la semaine, la direction générale, à travers et son directeur général, Jean-Nicolas VPL, lui, il était bien une interview à la grande presse. Toute presse là, était là. Nous pas cachés. Nous comptons ça n'a pas l'air et nous venons avec des données à l'appui. Donc, ça veut dire que dire qu'on ne peut pas prendre parce que la bagarre est difficile, on ne peut pas croire ça. Ce pays. Non, il était venu démissionner, toi. Oui, parce que. Il dit tout que. Il dit. Que l'âge a pas entré sous lit, de bon l'âge où il faut attendre. Des frappes à l'avant. Ou à une tension, un diabète. Oui. Donc, tension EDH est tellement fort, il est capable d'augmenter la tension, oui, tension artérielle. Une tension artérielle. Donc, on conscient un problème interne, tout, problème, il y a un peu partout. Donc, nous croyons que le moment, EDH, comme le reste du pays, il a besoin de mondes responsables, de mondes honnêtes et surtout de mondes disponibles. EDH comme le reste du pays. Ce n'est pas seulement l'EDH. Alors, on va te poser une question pour Mbao. Sur quel système EDH décide de fonctionner pour quoi en 24 sur 24 là? Thermique ou bien renouvelable? Il y a tout. Par exemple, que ce soit éolienne, on a exploré l'hydraulique. Par exemple, l'hydraulique, là, il y en a un qui est intéressant là-dedans. C'est que on dépense en pile pour installer, pour faire, et puis à la longue, on ne dépense pas en pile. Alors que thermique, là, lui-même, c'est pour mettre. Et fuel la donne tout le temps, contrairement à l'hydraulique là, et éolienne dans le même bientôt. Donc ça veut dire que toute possibilité là, n'a pas exploré pour permettre effectivement que le pays a éclairé, le pays a illuminé, parce que l'Europe traverse Haïti à son avion. Il est doux, il fait noir net, et puis quand on finit jamais frontière là,
du côté de nos voisins, l'y éclairer. Donc l'objectif, je dis là, on ne parle pas de durée. Non, il y a plus, toujours, c'est le roi entre pédernal, ou entre en sapitre, ou pas ouais en sapitre. Ou pas ouais. Ou est en ville. En ville. Ville sur ouais, il est pédernal. Pédernal. Il est pédernal, mais pas là, qui est en sapitre là, ou pas ouais lui-même. Ou pas ouais lui-même. Parce que c'est bon. C'est des bagages, je pense que... Évidemment, par contre, il y a un changement qui fait, parce que ça fait longtemps que je suis là, ça peut arriver que il y a quelques petits bagages qui fait. Donc ça veut dire, l'objectif, je dis, c'est clair le pays. Eh bien, businessman énergie. Il n'y a pas d'énergie, nous ne pouvons pas parler de Tigou. Je dis à la, à côté nous, la voisine, c'est contre la fait avec des chaînes d'hôtel. Sur 20 ans pour la venue au courant. Je dis à la, même contre pas faire avec un hôtel. Toi, quand grand institution nous la loi, c'est le produit propre courant. Ça qui vient faire, court service en vient plus élevé. Court service en vient plus élevé. Donc, je dis à la, on n'a pas de bagaille global pour nous, c'est un problème global qui est le problème de l'énergie dans ce pays. Donc, c'est vrai que tout le monde garde EDH, mais EDH n'est pas la seule institution à résoudre ce problème. Il faut que tout le monde mette main à la patte et consciemment pour peut-être nous résoudre ce problème ça à la longue, à jamais dans le pays. Jose Joachim Davilma, je ne pas au rendez-vous qu'on est là parce que je ne pas être en vérifié. Alors, je ne pas réaliser que. Émission va créer autant d'intérêt là qu'aux auditeurs. Vous pouvez vérifier agenda pour moi. Qui demande, qui quantité de demande que me gagne, qui monte que me bat rendez-vous déjà, qui fait que me bat trop profiter dit ok, m'attendons tel jour dans semaine là, face à nous permettre auditeurs de poser aux questions, c'est ça que fait que me bat faire. Okay. Même qu'a dit auditeurs que ce n'est que partie remise et on va pas avec nous encore. Très ouvert, pour très ouvert. Ça. Oui. Et on dit bien qu'il faut accompagner de l'autre technicien. Ou bien du directeur général. Ou bien du directeur général si emploi du temps permet que le fasse. Mais avant d'aller, tu me dis auditeurs que David Mar, Joachim, c'est également, et même si nous avons parlé aux gens et excités, ce n'est pas vraiment le cas, c'est un intellectuel aussi. Et M. Gonlive, qui est la saga haïtienne à la loupe d'un candidat. Donc, il était aussi candidat. Oui, j'étais candidat pour la députation du Boy. Et au Pat Bon. Ça va te marcher, j'ai raconté l'histoire de cette candidature. Où dit la donne pour que ça y batte ou quand le candidat qui bat? Non, je suis conscient. Donc, pas populaire assez. Oui, c'est un problème. Je vis dehors. Mais l'expérience, je l'ai vécue pleinement. Et m'apprendre de lui. Et m'apprendre, comprendre Haïti en l'autre gentil. Parce que des expériences sont venues faire. C'est ça. C'est pas non dit ça que m'apprendre. Surtout bonne lecture. D'ailleurs, j'ai dédicacé le livre pour toi. Merci. Alors, m'a dit aux auditeurs que toute l'heure que nous avons discuté pour l'émission réalisée, je ne sais pas qui est ça. Mais c'est en parlant, je me songeais que je me suis rencontré aux Nations Unies. Oui, les gens ont fait une bataille pour les affaires choléra. Oui, bataille, la bataille a non, est gagnée. Si vous avez fait une bataille, vous dites pas tellement comprendre ce que je veux dire. Oui, c'est une manifestation. C'est une manifestation à l'ONU. Et le, ça nous tient à ce que l'ONU te reconnaisse que c'est lui qui a porté choléra en Haïti. Nous faisons deux affaires. Et, oui. Et c'est payant. Et pourquoi le soir, vous êtes intervenu sur Métropole. Vous êtes intervenu sur Métropole. Vous êtes intervenu en direct de New York. Merci infiniment. Et je suis tenu à faire une parenthèse, à mise en contexte ça, et pour présenter tout le groupe auditeur, comme bon, il est de qui est-ce que vous voyez. Non, je dis surtout que le livre est disponible en librairie, la Pléiade. Tout ok, ça, parfait. Alors, titre livre, c'est La saga haïtienne à la loupe d'un candidat. Merci ça. Encore une fois, David Mar. Tenez bon, je suis content que vous ayez possibilité de parler ça avec vous, matin. Et moi, j'espère, je me dis que bientôt, nous allons mettre question plus à nu pour permettre aux auditeurs de comprendre. Oui, est-ce qu'il y a un courant 24 sur 24 vrai? Si oui, quel type de comportement on doit adopter? Est-ce que vision président, est-ce que le président a prévu atterrir vraiment? Jean Mounio a parlé de là. Espérez là. Merci infiniment. Moi, prends-tu papier au son gemme pour quitter là, parle avec vous. Auditeur, pas les effets consulter. Bon, bon, tout retirer le paquet pour me quitter là. C'est ça, pour parce que données intéressantes. Voilà, merci encore une fois, David Mar. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jose Joachim David Mar, responsable de communication au niveau de l'EDH. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole.